marche comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Bien-aimé dans le Seigneur, après m'avoir fait visiter le tabernacle de Moïse en plein désert, l'archange Gabriel va donc me montrer une autre chose, le roi David pendant sa jeunesse. Nous sommes là à 5h43. Je le précise, il n'est pas avec moi dans la chambre. Lui, il est là-bas. Donc, il est dans je peux appeler ça, dans l'univers de la vision où je suis en train de le voir. Mais il parle, je l'entends et je le vois. Alors, de là où était l'archange Gabriel, debout devant l'entrée du lieu saint, par un geste de sa main droite, une image va apparaître. Par un geste de la main, de sa main droite, il y a une image qui va apparaître, je vais voir. Dans cette image, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir un jeune homme. Je dis un jeune homme. Bon, je dirais un jeune garçon. Un jeune garçon. Et là, je vais voir un jeune homme qui était assis sous un arbre. Et ce jeune homme était dans un espace qui ressemblait à un verger. À quelques mètres de lui, devant, il y avait plusieurs troupeaux qui étaient là. Le roi David, il était vêtu d'une robe qui se limitait à quelques centimètres après ses genoux. Et cette robe était brodée dans ses bordures et au niveau de la colle. Alors, l'ange Gabriel va me dire, ce jeune homme est celui que vous appelez roi David dans vos écrits sacrés. Voici pourquoi notre Seigneur l'a oint pour roi sur son peuple. Ainsi, après avoir déclaré cela, je veux voir ce jeune homme, David, qui va se prosterner en mettant son front contre le sol. Et puis, il va se mettre à faire cette prière. David va dire, « Seigneur éternel, je suis le plus jeune de la maison de mon père. J'aurais bien voulu être près de notre père pour bénéficier de la chaleur de son sein. Mais regarde où je suis établi, devant des pauvres brebis que je dois paître. Tu connais ma douleur de chaque jour. Tu vois comment mes mains se sont accolées à cette grande responsabilité. Tu vois comment mes mains subissent la fraîcheur des herbes sur lesquelles je marche. Ô mon Dieu, éternel Père d'Israël, souviens-toi de ma douleur. Par elle, j'ai fini par aimer ces troupeaux et cette bergerie. Apprends-moi à veiller sur eux chaque jour de ma vie. De la même manière que toi, El Elyon, tu veilles sur ton peuple. Apprends-moi à vaincre devant l'adversité qui m'empêcherait de conduire ces troupeaux à bon port. » Fin de la prière de David. C'est ici, par cette phrase,
que David acheva sa prière. Voilà la prière que faisait David avant qu'il ne soit roi, pendant qu'il était encore là, dans le verger, en train de paître les troupeaux de son père. Cette image de David va disparaître. Et l'ange Gabriel va encore me dire ceci. Et l'ange Gabriel me dira, c'est cette prière qui a excité notre Seigneur à porter ses regards favorables sur David pour faire de lui le fidèle berger de son peuple. Le premier combat spirituel de David a commencé là avec les bêtes, car cette prière a été considérée par l'ennemi comme une déclaration de guerre. Toute sa vie a été une chasse au trésor contre lui, initiée par ces bêtes sauvages. Mais lui n'a pas abandonné, il les a vaincus jusqu'à sa mort. Proclame les bontés du Seigneur. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, la révélation que l'ange Gabriel m'a donnée concernant la prière que David a faite pour attirer l'attention de Dieu sur lui, pour que Dieu puisse faire de lui le deuxième roi d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo, divulguez cette information, car elle cache des secrets qui peuvent aider plusieurs d'entre nous, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servantes de Dieu, plusieurs églises. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, il est temps que l'Église en soit informée. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ce travail que vous allez faire. Merci de m'avoir suivi et à nous retrouver juste tout à l'heure pour la suite des révélations que l'ange Gabriel m'a données. Que Dieu vous bénisse. C'était moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTM.